Bonjour à tous dans un petit vlog réaction, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait en solo. Ouh, cette fois on va pas s'attaquer à une bande-annonce, mais on va s'attaquer à une petite découverte en fait. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Kingdom Hearts, comme je l'ai démontré avec mes différentes vidéos sur la licence, mes différents lives sur Kingdom Hearts 3, qui en y repensant est un petit peu décevant, mais bon, ça passe, ou les nombreuses références que je mets par-ci par-ça dans l'émission, le fait que j'ai plusieurs Keyblade et d'autres figurines à l'effigie. Donc, quand vous en doutez, quand j'apprends que Internet a déterrer un épisode pilote d'une série d'animation abandonnée de cette licence, ça m'intéresse un petit peu. Pour le contexte, j'ai pas énormément d'informations, je sais juste que quand le jeu vidéo était sorti, voilà, Disney avait eu l'idée de faire une série d'animation pour essayer de surfer sur son succès. Finalement, ça s'est pas fait, on savait même pas que cette série était en projet ou qu'il y avait quoi que ce soit, peut-être quelques rumeurs, mais j'ai surtout l'impression que c'est des fantasmes de fans ou des trucs comme ça, tu vois, j'avais jamais l'impression que c'était un vrai projet, tu vois. Et ce projet était réalisé par Seth Kearsley, qui est un vétéran de l'animation 2D et qui est surtout connu pour avoir réalisé Les Nuits de Folie d'Adam Sandler. Ouais, la nuitée du film, je mets plus sur le dos d'Adam Sandler que sur le mec. Parce que voilà, le talent du mec, c'est surtout l'animation, et l'animation de ce film était superbe. C'est même une des critiques récurrentes sur ce film, c'est que l'animation était trop bien pour un script aussi pourri. Et c'est lui qui devait s'occuper de cette série d'animation Kingdom Hearts, ce qui est un petit peu surprenant de savoir que le mec qui a fait une comédie d'Adam Sandler connaît l'univers de Kingdom Hearts et voulait en faire une vraie série. C'est assez rigolo à se dire, quoi. Ça se trouve, il y a une référence à Kingdom Hearts dans Les Nuits de Folie d'Adam Sandler et on l'a jamais remarqué. C'est d'ailleurs lui qui a mis en ligne sur son compte YouTube le fameux épisode pilote. Parce qu'il a dû remarquer qu'Internet était très intéressé par tous ces épisodes pilotes de séries abandonnées. Genre, dernièrement, on a eu pareil pour le remake américain de Sailor Moon qui devait être fait avant que finalement les Américains ils se contentent de reprendre la série originale et la remonter, redoubler n'importe comment. Donc, du coup, il en a profité pour balancer ça et on va découvrir ce que ça donne. Alors, bien entendu, je préviens, c'est un épisode pilote. Plus qu'un épisode pilote, c'est l'animatique d'un épisode pilote. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire animatique, c'est grosso modo des storyboards animés. Voilà, donc ne critiquez pas l'animation, hein. Faut s'attendre à ce que l'animation soit pas terrible dans cette vidéo-là. Déjà parce que c'est un épisode pilote abandonné, voilà, c'était pas un produit fini qui devait être diffusé, mais aussi parce que bah, c'est un animatique, donc forcément, l'animation va être ultra immobile. Et aussi, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il proposait pour essayer d'adapter Kingdom Hearts. Surtout pour moi qui, comme vous le savez, j'ai des projets de rêve d'adapter en film différentes licences, comme Sonic, ou Code Lyoko, ou Fullmetal Alchemist. J'avais aussi des idées pour Kingdom Hearts, et là où mes idées pour un film Sonic, Code Lyoko et tout, j'accroche toujours parce que je trouve que ça ferait de très chouettes films, Kingdom Hearts, pas trop. Parce que finalement, mes seules idées, c'était juste une série télé qui reprend tout ce qui se passe dans le jeu. Il n'y avait pas particulièrement d'idées très intéressantes dans celui-là, donc j'ai fini par laisser tomber. Donc je me doute que leur projet c'était un petit peu ça, ou peut-être qu'ils ont des trucs, des propositions, ou comment amener la partie action de ces jeux-là, voilà, on va en voir sur proposition. Aussi, autre truc, ce pilote date de 2003. Donc à cette époque, il n'y avait qu'un seul jeu Kingdom Hearts, donc il n'y avait pas le 2, Chain of Memories ou de quoi, donc voilà, ça reste très concentré sur le premier jeu, donc on reste en terrain très connu. Donc nous allons voir ce que ça donne, mais avant toute chose, sponsor. Nous passons énormément de temps devant nos écrans, vous en regardant des vidéos comme les miennes, et moi en faisant les vidéos comme les miennes. Et ces écrans produisent de la lumière bleue, ce qui endommage notre vision. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre nous se retrouvent avec le besoin de lunettes de vue. Et pour ça, GMG Performance vous propose des lunettes spéciales qui protègent nos yeux contre la lumière bleue. Grâce à elles, vos yeux seront moins fatigués, vous pourrez vous concentrer plus facilement, maintenir la qualité de votre vision sur le long terme, et préserver la qualité de votre sommeil. Vous pouvez choisir parmi un large choix de modèles de lunettes. Moi, mes préférés sont les Optimizer, parce qu'elles sont juste assez grosses pour que tu puisses les caler sur les lunettes de vue sans que ça gêne. Non, et puis comme ça, je pourrais faire le gag dans les as, tu sais. Obtenez vos paires de lunettes grâce à l'offre Black Friday qui propose 40% de réduction jusqu'au 28 novembre à minuit. Lien disponible dans la description. Merci encore à GMG Performance pour le sponsor et retour à la vidéo. Ok, donc pour l'instant, le logo avec la musique, ça reste en terrain connu, voilà. Around these parts. Oui, il n'y a pas mieux que 480p, là, malheureusement. T'as les artworks grossiers. Je suppose que c'était censé être Jimmy Lee Cricket, cette voix-là. Pas dans ce monde-là. From where, nobody knew.
but all it brought with it was a lot of bad. As the brave little king went off to face the threat, he entrusted his court magician and the captain of the guard to seek out a special hero. Alors Dingo, il est un petit peu bizarre sur ce dessin, mais sinon, c'est pas mal. D'accord, il s'entraîne avec la Keyblade, d'accord. Je suppose que c'est pas canon. Ils ont repris tout le casting, c'est ça? Hey Sora, Riku, wonder what's out there? You mean like other worlds? Sure, Kairi. If there are other worlds out there, then everything we know is only... Ah mais normalement, vous savez s'il y a la Keyblade. What is out there when we were seeing without you two? Aw, that's sweet. What's that? Il est horrible en plan. Oh, l'image cursed. Ouais, bon, je suppose qu'il raccourcit ça pour faire avec... pour faire pilote, voilà, pour présenter. J'avoue, c'est stylé les 100 cœurs faits au feutre. Pourquoi ça marche, lui? Pourquoi ça marche? Kairi fait des trucs! Oh mon dieu, meilleur truc qu'on a fait sur Kilomas! Kairi fait des trucs! Ah, d'accord, ouais. Pourquoi? Ah, ok, ok. Ah, on verrait l'intérieur du vaisseau Gumi, ça aurait été intéressant. Ça. Vous avez des appareils photo dans ce monde? Pourquoi pas, hein? Was right about one thing. He wasn't the only one to escape the island. But Riku wasn't as fortunate. Oui, on vous spoil ça au fait. Dark forces working hand in hand with the Heartless. The Heartless invasion of our universe. En tout cas, le trait pour les décors et tout, c'est nickel. Pour les personnages, c'est pas trop ça, mais bon, c'est des animatiques, c'est normal. Mais les décors, ça va. McQueen, to get the lamp, one must first find a diamond in the rough. Begone. I am more than... Bitch slap Jafar. If I do, you'll help me find my friends and return us to our island? But of course. Bah d'ailleurs ça c'est intéressant d'essayer d'insister un petit peu sur le parallèle sur le fait que tous les deux ils cherchaient leurs amis et finalement l'un le fait chez les gentils, l'autre chez les méchants. Ouais. Intéressant. Sora, we've got heartless readings coming from Agrabah. But you can't wait to get them with your keyboy. Just looking for Kairi and Riku. Ah, c'est comme le manga où il a la Keyblade qui se trimballe sur son dos. Ah, j'aime pas cette idée. J'aime bien l'idée que ça disparaisse et apparaît chaque fois qu'il l'appelle, quoi. I'm not a hero. I'm just a kid. There's a hero inside all of us. You just have to find it. Besides, King Mickey thinks you are, and that's good enough for me. C'est juste rigolo que ce soit Dingo qui ait le speech héroïque qui réconforte nos héros. Il y a un héros parmi nous tous. C'est ce qui se passe. This time, at least try to keep a low profile. Tu demandes ça au canard qui parle et au chic. So much for a low profile. Come on, Al! It's okay! Bon, bah, comme dans le jeu, ils sont facilement KO! C'est quoi cette musique? C'est sûrement de la musique préexistante, je sais pas d'où ça vient, mais ça me dit quelque chose. Ouais, ça aurait été très orienté action. Je sais pas s'ils auraient pu tenir ça dans la série finale. Bah ok, on met ce passage là, pourquoi pas, hein. C'est cohérent de le mettre là. Ah, l'image pour la bromance.
Where do you think? Looking for you and Kyrie. Where is she? Don't know, but there's a magic lamp here on Agrabah. We can use it to find her. J'adore ces dessins. Ils sont rires. Ils sont cœur, c'est pas possible. Gracia. Il est coincé ou quelque chose? Alors. Toujours aussi chiant cela, hein. Ah ouais, donc c'était juste de la mise en scène devant sa tronche, quoi. Parce que s'il tuait les 100 cœurs tout à l'heure, alors qu'il les contrôlait, c'est de la mise en scène. Intéressant comme idée. Tu lui as balancé un sort de soin, quoi? Oh si, c'était un bruitage de Stargate, rigolo. Did we win? Guys, this is Riku. C'est trop vite. J'adore sa tronche. Ouais, j'ai tout compris de ce que t'as dit, Donald. It's in a place called the Cave of Wonders. Alors, si Sauron n'a pas le droit de passer, je comprends plus rien. Du coup, il remplace complètement Aladdin dans cette histoire ou... C'est littéralement une image du film, c'est rigolo. Ouais, vous, ça m'étonnerait que vous soyez digne. Riku qui dort. Oh mon dieu. I just don't understand it. Oula. Je vais perdre le Quantum Tidy là donc. Il a les meilleures tronches, Riku. Il a les meilleures tronches. Ah donc on refait le générique de la bande à Picsou, c'est ça? C'est pas censé comme ça. C'est pas censé marcher comme ça. What's happening? As soon as Riku touched the land, he opened a passage to the realm of the heartless. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Can you see what's happening? It's the lamp. Riku, come back. Put the lamp back. What? So you can grab it? Riku? This is the power we need. Don't you want to find Kyrie anymore? Yeah, but not like this. This is the only way. They're too strong. You can't fight them. You're not a hero, Sora. You're just a kid. Oh. No. I'm a hero. Oh, ils ont même casé un petit arc, c'est mignon. En vrai, s'ils avaient fini l'animation de ce passage, ça aurait été sûrement classe. Sora, as soon as I touched the lamp, everything went cold. You believe me, right? Hmm. You have to believe me. Riku? Ah! Riku! Sora! Je comprends pas ce qu'il essaye de faire, Riku, là. Sadly, his mind had been shrouded in darkness, and here he will stay, at least for now. You have failed. Sorry, my queen. Does he believe you? Yes, he has to. Bah, ouais, encore de la mise en scène, quoi, d'accord. C'était assez maladroit, Riku, mais bon, t'es un petit peu con sur les bords, faut le dire. Ah, oh, poor kid. Might have won the battle, but... He lost his frame again.
J'attends le moment où les autres commencent à dire « Jiminy, tu peux fermer ta gueule, on t'entend en fait !» We'll be right there with you, buddy. Looks like we got ourselves a hero after all. I had like many words to say. It's just an image of the hope that he will once again be with his friends, Kyrie and Riku. Alors, il est déjà fini? Ouais, il est déjà fini. Bah, en vrai, je m'attendais à une catastrophe, hein, mais... Non, ça tenait relativement le coup. C'est juste, bah, c'est le côté animatique qui pose problème, et le côté épisode pilote qui, bien entendu, résume un petit peu quelques gros moments pour vraiment montrer tout le potentiel de la série. Mais honnêtement, le peu qu'on voit, ça aurait pu être un bon épisode pour une série qui nous marche. Non, ça tenait à peu près. Après, reste à voir quelles idées... ils auraient gardé, quelles idées ils auraient enlevé, voilà, parce que je me doute que peut-être la partie où Riku essaye de piéger deux fois Sora, ça aurait peut-être pas passé, peut-être la scène de rêve, ça aurait été juste directement la scène sur l'île ou quoi, voilà, il y a peut-être certains trucs, mais honnêtement, il y avait de bonnes idées pour essayer de prendre des raccourcis pour aller à tel moment et tout, de mêler l'histoire où Sora retrouve Riku et l'histoire d'Aladin, bah d'ailleurs... là aussi, un truc qui est intéressant, comment ils auraient intégré Aladdin ? Est-ce que Sora remplace carrément les personnages Disney ? Ou voilà, si ça se trouve, je sais pas, il y a peut-être une connerie de droit où ils n'avaient pas le droit de mettre le personnage d'Aladdin, mais ils avaient le droit de mettre le personnage de Jafar dans ce pilote, je sais pas, c'est compliqué. Ou peut-être non, peut-être juste le doubleur, c'est peut-être juste la voix d'Aladdin qu'ils n'ont pas pu faire venir pour ce pilote-là, donc du coup, ils se sont dit, voilà, on va plutôt le réécrire comme ça, mais... Voilà, non, mais sinon, non, il y avait de l'idée, il y avait certains plans et certaines scènes qui auraient sûrement été classe si l'animation était terminée, mais voilà, donc, ouais, c'est dommage, mais bon, je suppose que Disney se sont dit, on sait pas, le jeu il marche bien, mais peut-être pas assez ou quoi, et puis, si ça se trouve, ils se sont évité une balle en voyant à quel point l'histoire qui continue aurait été plus complexe et plus difficile à adapter ou quoi, donc... Voilà, mais cela dit, voilà, une petite découverte bien sympathique, voilà, j'espère que cette vidéo réaction vous a plu, et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez bien aimé qu'on fasse une série comme ça ou quoi, voilà, moi en tout cas, dans cette direction-là, j'aurais été plutôt pour, ça aurait été sympathique, voilà, surtout que voilà, le mec, il s'est animé, et bon, l'animation des séries Disney en 2003, je sais pas trop, ah, il y a peut-être ça aussi, je crois que... Ouais, à cette époque-là, Disney, ils commençaient un petit peu à changer de politique au niveau de leur série télé, quoi. Ils essayaient un petit de plus en plus tomber les séries d'animation pour se focaliser sur des trucs à la Lizzie McGuire ou Anna Montana, voilà, des trucs un peu plus sitcom pour ados, voilà, ce qui est dommage, voilà, mais j'ai l'impression que, ouais, c'était dans cette période-là qu'ils commençaient à entrer dans l'ère Disney Channel High School Musical, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé tomber, parce qu'ils se sont dit, non, on commence à laisser tomber les séries d'animation, donc ce serait dommage, quoi, mais... Voilà, si quelqu'un a d'autres infos, voilà, sur comment s'est passée la production de cet épisode pilote, je suis curieux. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la. Le Fermez-la sur la représentation de l'autisme au cinéma avance, hein, je vous rassure là-dessus. Je traîne un petit peu, je sais, mais je devrais le finir bientôt. Voilà, merci encore pour votre patience. À bientôt !